Ça, c'est le abus Bordeaux. Ça, c'est le abus Bordeaux Light 65 ans. La raison pourquoi je me suis acheté un canevas léger est plutôt simple. En fait, il y en a trois. Ça fait déjà un petit bout que je me cherche un canevas plus léger pour des moments où je laisse mon vélo sans surveillance. Ça faisait déjà un petit bout que je cherchais un canevas plus léger pour trois raisons. Un, quand je suis en voyage, j'ai pas envie de traîner mon canevas en U, mais des fois, il peut arriver que je dois laisser mon vélo sans surveillance dans une section d'un train, ou arriver à destination, ou dans le lobby de l'hôtel, ou dans la consigne à bagages. Tout ça fait en sorte que ça me rend plutôt nerveux. Donc, j'aimerais beaucoup avoir un canevas. Donc, je voulais vraiment avoir un canevas léger. Donc, je voulais vraiment avoir un canevas qui est léger, facilement transportable, mais qui offre une certaine sécurité. Ensuite, quand je fais du camping avec mon fils, je pars en vélo, j'ai énormément de matériel. J'ai pas envie de m'encombrer d'un lourd canevas en U, comme je l'ai fait par le passé. Surtout que ça m'est arrivé à quelques reprises d'oublier d'amener mes clés de cadenas et je n'ai pas barré mon vélo du week-end. Et je n'ai pas barré. Surtout que ça m'est déjà arrivé d'oublier les clés, de pas barrer mon vélo, puis je me suis pas fait voler. C'était dans des sections de parc qui étaient peut-être moins achalandées. Donc, si je pouvais avoir un canevas qui est plus léger, donc avoir un canevas plus léger, donc avoir un canevas plus léger me permettrait de transporter le canevas et de moins m'en faire. Enfin, la dernière raison. Enfin, la dernière raison, c'est pour augmenter la sécurité. Enfin, la dernière raison, c'est pour augmenter la sécurité de mon combo que j'ai présentement. Présentement, j'utilise un câble et un U. La grosse problématique, c'est que ça m'est arrivé de me faire couper mon câble et voler ma roue d'en avant, ce qui est assez désagréable. Alors, j'ai pleinement confiance que pour une roue d'en avant, aucun voleur va essayer de couper un cadenas fait de lamelles de métal. Bref, si quelqu'un l'essaye, en tout cas, si quelqu'un l'essaye et réussit à partir, il aura mérité ma roue. Mais maintenant, allons voir de plus près le fameux cadenas. Quand vous achetez le Bordeaux 60, 50 de abus, voici ce que vous avez dans le paquet. Deux clés. Le dit cadenas. Et cette attache. Ce qui est cool de cette attache-là, ce que j'aime particulièrement en fait, c'est que vous pouvez, grâce au velcro, l'attacher à votre cadre. Et si vous voulez quelque chose de plus permanent, vous pouvez visser l'attache aux ancrages de porte-bidon. Personnellement, je ne veux pas nécessairement quelque chose
de très permanent sur mon vélo. Donc cet attache sera parfaite.